www.casarima.fr. La première des choses que Dieu crée, c'est la lumière. Il ne faut pas nous dire je suis de la lumière sans que tu nous montres tes œuvres de la lumière. Non, ça n'existe pas. Moi, aimez-vous, je ne vous prêcherai jamais des choses que moi-même je ne pratique pas. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Aujourd'hui, on va parler de la séparation. Comme c'est le début de l'année, c'est le sujet qu'il te faut pour bien commencer l'année. La séparation. Je veux que vous répétiez avec moi la séparation. La séparation. Genèse chapitre 1er, du 1er au 13e. Il est écrit. Et comment
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, beaucoup de choses. Il y a, ça cache beaucoup de prophéties là-bas. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous. Et de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. On passe, on saute, on prend verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Béni soit le nom du Seigneur. Lui qui conduit nos pieds, et aujourd'hui les a conduits dans sa maison. Maintenant nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous ce matin. Dispose nos cœurs. Ouvre notre entendement, Seigneur. Pour t'écouter. Et pour comprendre ta parole. Que le tout se fasse. Sous l'onction du Saint-Esprit. Pour ta gloire. Et pour notre édification. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Sauveur, parce que il est mort à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que il est le chef que nous devons obéir. Jésus-Christ, Dieu véritable, parce que il est le sujet de notre adoration. Acclamons pour Jésus. Il est le sujet de notre adoration. Il est le chef que nous devons obéir. Et il est mort à la croix pour nos péchés. Merci de te conduire pour l'Église. La séparation. Bien-aimé, si tu n'as pas cette notion, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Amen. Suivez-moi attentivement. Comme Dieu dit, au commencement, il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres.
Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. Oui, et pour les alagités. Donc, l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. Et la parole dit, au commencement, il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais ce n'est pas le moment. Le jour où on va vous parler du salut caché dans les sept jours, par les six jours de la création, là on peut vous parler à l'or et à l'âge sur l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, tout ça, la terre était informe et vide. On va vous parler de tout ça. Donc je vous dis d'avance que les six jours de la création, puis le septième jour du repos, tous ces jours-là, ça cache les saluts. Il y a un jour, on va vous parler du salut caché, le premier jour de la création. Le salut caché dans le deuxième jour. Le salut caché dans le troisième jour de la création. Jusqu'au septième jour. Mais aujourd'hui, on prend que la notion de la séparation. Regardez comment Dieu commence les choses. Comme il y avait déjà la présence du ténèbre. Pourquoi la présence du ténèbre? C'est parce que la terre était informe et vide. Comme la terre est informe et vide, c'est une logique dans les choses de Dieu que la présence de la terre informe et vide, que cela produise les ténèbres. Combien de ténèbres? Regardez comment Dieu procède. Comme il y a les ténèbres, la première des choses que Dieu créa, c'est la lumière. Quand il y a la présence des ténèbres, la première des choses que Dieu crée, c'est la lumière. Je voulais entendre quelqu'un dire amen. Amen. Je voulais entendre quelqu'un dire un grand amen. Amen. Vous allez comprendre ça après. Dieu créa la lumière. Il lui dit que la lumière soit. Et la lumière était apparue. Comme il y avait la lumière, il y a aussi les ténèbres. Mais qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Dieu sépare. Il dit, il y a une partie qu'on va appeler la lumière. Il y a une autre partie qu'on appellera ténèbres. Dieu ne les a pas mis ensemble. Non, il les a séparés. C'est le principe de Dieu. Suivez-moi très bien. C'est le principe de Dieu. De Genèse à Apocalypse. Il respecte le même principe. De l'éternité à l'éternité. Il respecte le même principe. Il a toujours séparé la lumière avec les ténèbres. Ça ne peut pas habiter ensemble. Non, c'est la première notion de la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À la création, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il
appelle la lumière le jour. Et il appelle les ténèbres la nuit. C'est ce qu'il avait fait dans Genèse. Voilà, Genèse. Mais je dis que ces choses, ça cachait beaucoup de choses pour le salut. La lumière ici, dans le monde de la révélation, si j'utilise le langage de la révélation, la lumière, c'est une personne. Ainsi, il est écrit qu'il est le commencement de la création de Dieu. On dit cela d'une personne. Or, cette personne, à qui on dit qu'il est le commencement de la création, cette personne-là, il s'appelle la lumière. Parce que c'est par la lumière que Dieu a commencé à créer. La lumière est la première chose que Dieu a créée. Mais cette lumière-là, cette lumière, en elle, ça cachait une personne. Cette personne-là, un jour il est venu, il était devant les hommes, il était lui dans la chair. Il a dit aux hommes, je suis la lumière du monde. Donc la lumière, en réalité, c'est une personne. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez qui est la lumière? Amen. Mais ici, au commencement, on a créé comme lumière comme ça. Mais sinon, je vais vous dire quelque chose. Regardez. Suivez-moi très bien. Vous connaissez le principe? Oui, principe. Si tu ne comprends pas, tu soulèves le doigt, tu poses le doigt. Suivez, je vais attirer un peu votre attention. Regardez l'attention. Regarde, ici, la lumière est créée le 4e jour. Ah, on va poser la question pour le 4e jour? Le premier jour. Le premier jour, on pourrait dire aussi. Dieu crée la lumière. Ça va qu'elle est pour lui. Chose étonnante. Chose étonnante. Si vous lisez la Bible, ce que t'as dit, Bibia, avec l'aide de l'Esprit Saint, la liste mon livre aussi. Regardez ce que vous allez constater. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Le 4e jour, Dieu crée le soleil, la lune sans et les étoiles. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Et Dieu appelle la lumière du premier jour. Il appelle quoi? Les jours. Suivez très bien. Le 4e jour, Dieu crée le soleil. Qui le plaça les jours. Il crée la lune et les étoiles. Qui le plaça la nuit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Suivez-moi. Le premier jour, il crée la lumière. Le 4e jour, il crée le soleil. Il s'est passé combien de jours pour que Dieu crée le soleil quand il a créé la lumière? Il s'est passé combien de jours? Après combien de jours? Après 3 jours. Suivez-moi. Suivez-moi. Les choses de Dieu, si vous les comprenez comme Dieu les comprend lui-même, ça vous donne la vie. Et c'est merveilleux. Regardez mes frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard?
Vous croyez que ça peut être un hasard que Dieu crée le premier jour la lumière. Il laisse passer 3 jours et il vient créer le 4e jour le soleil. Et il prend le soleil, il le place le jour. Mais il prend maintenant la lune et les étoiles, il le place la nuit. Or la nuit, le premier jour. Le premier jour, les ténèbres est appelé la nuit. Il appelle les ténèbres la nuit. Là, c'est le premier jour. Mais le 4e jour, c'est-à-dire après 3 jours, il crée la lune et les étoiles. Il le place dans les ténèbres appelées la nuit pour éclairer maintenant. Et vous croyez que tout ça, c'est un hasard? Non! Non! Tout ça, ça cache des choses. Ça cache des mystères. C'est un langage prophétique. Il est vrai que Dieu a créé la lumière le premier jour. Il est vrai que le 4e jour, il a créé le soleil que nous voyons. Le soleil que nous voyons a été créé le 4e jour. La lune qui éclaire la nuit et les étoiles ont été créés le 4e jour. Cela est vrai, mais ça cachait aussi des choses prophétiques. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Vous savez que la force de Dieu, c'est de cacher les choses. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui cache les choses. Et il donne maintenant l'esprit de la révélation au roi. Il dit que la gloire des rois, c'est de révéler les choses. Nous avons l'esprit de la révélation parce que nous sommes au temps de la révélation. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, regardez comment Dieu fait. À la création, le premier jour, il crée la lumière. Il l'appela les jours. Il y avait déjà les ténèbres. Il l'appela la nuit. Il sépara la lumière et les ténèbres. Mais 3 jours après, il vient créer le 4e jour, le soleil, lui qui éclaire le jour, et la lune et les étoiles qui éclaire la nuit. Mais la question que nous devons nous poser, nous tous, où était partie la lumière du premier jour? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qui doit venir vite en tête. Le premier jour, il y a la lumière. Il attend 3 jours. Il vient créer le soleil. Et le soleil, c'est pour éclairer. Éclairez le jour. Mais où est partie la lumière du premier jour? La lumière du premier jour, c'est parti où? Oh! Zotane. La lune. Il est sans ça. Et les étoiles, ils sont aussi créés le 4e jour. Donc après 3 jours de la lumière du premier jour. Donc quand
Dieu marcha pendant 3 jours. Il a créé le soleil. Il a créé la lune et les étoiles. Or, même les scientifiques ont prouvé que la lune tire sa lumière chez le soleil. Si observez, pour que la lune brille beaucoup, très, très bien la nuit, il faut que le soleil brille très fort le jour. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, nous comprenons que la lune tire sa lumière chez le soleil. Ça ne pouvait être que comme ça. Et vous allez remarquer que les étoiles, on a placé cela à côté de la lune. Dès que les étoiles sont à côté de la lune, même si la lune brille, même si la lune brille, et les étoiles, on les voit, elles sont visibles. Mais si vous prenez les étoiles, vous les mettez les jours, ça ne va pas briller. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil va les empêcher. C'est pourquoi Dieu, pour que les étoiles aussi brillent, il les a placés la nuit, parce que la lumière de la lune va permettre aux étoiles aussi de briller. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, ce sont des choses qui se passent dans la nature. Mais je veux un peu vous parler de quelque chose. Pourquoi Dieu a-t-il créé la lumière le premier jour? Et il a attendu 3 jours de marche. Et il a fait maintenant la lumière qui est le soleil. Et puis la lune et les étoiles. Regardez maintenant, je vais vous expliquer. La lumière du premier jour. Je vous ai dit que c'est une personne. Cette personne-là a dit, je suis la lumière du monde. Et cette personne-là, qui est la lumière, il a dit, si vous croyez en moi, vous n'allez pas marcher dans les ténèbres. Donc, si la parole peut encore dire, on commence à mettre la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Était la vie. Et cette vie est la lumière du monde. Donc la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est une personne. Comme la lumière, c'est une personne. Comme la lumière, c'est la vie. C'est pourquoi la personne, il a dit, je suis la lumière. Il a encore dit, je suis la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez maintenant, comme il est la lumière du premier jour, cet homme-là, qui est Jésus de Nazareth, il est la lumière. Mais maintenant, regardez, je veux vous dire ceci. En réalité, la lumière du premier jour, c'est le soleil du quatrième jour. Dans la réalité, mais il y a une condition. Pour que la lumière du premier jour devienne le soleil, le quatrième jour, la lumière doit marcher pendant 3 jours. Quand la lumière marche pendant 3 jours, ça porte maintenant un corps pour bien éclairer maintenant les jours. Je le répète calmement. La lumière du premier jour, pour que ça devienne le soleil le quatrième jour, il faut que la lumière du premier jour puisse marcher pendant 3 jours.
Quand ça marche pendant 3 jours, pourquoi ça doit marcher pendant 3 jours? C'est pour porter un corps. Or, ce corps-là doit être préparé pendant 3 jours. Maintenant, quand la lumière est sortie, après 3 jours de marche, on a appelé cela le soleil. C'est-à-dire ça porte un corps. C'est pourquoi vous voyez le soleil. Ça s'élève dans un corps, bien encerclé. Ça peut bien éclairer. Oh, comme ces choses étaient prophétiques. Et à la même manière, la personne appelée la lumière, qui est Jésus, il était un homme, il n'était qu'un Israël, comme un homme. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Jésus-Christ, qui est la lumière, qu'il marcha pendant 3 jours. Or, la marche de 3 jours, la marche de 3 jours, et la lumière au soleil égale la marche de 3 jours de Jésus-Christ, qui est sa mort. Et quand il sort, il a un corps de gloire. Maintenant, il peut sauver le monde. Ainsi, on l'a appelé le soleil de la justice. Il est la lumière. Quand il était vivant, mais quand il a marché pendant 3 jours, c'est-à-dire quand il est mort, il est sorti avec un corps de gloire et il est appelé le soleil de la justice. Là, il peut bien éclairer nos cœurs. Il peut bien éclairer le cœur. Parce que je dois vous dire qu'il est écrit que le cœur de l'homme, c'est un abîme. Or, au commencement, il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Or, le cœur, c'est un abîme. Jésus le soleil, il vient pour éclairer l'abîme de ton cœur. Quand il il doit éclairer. Et la personne qui est éclairée par Jésus-Christ dans son cœur, maintenant la journée comme ça, il doit séparer. Nous devons voir en lui, dans la personne, en elle, la séparation. Celui qui est éclairé par Jésus-Christ, en lui, il ne doit plus y avoir les œuvres des ténèbres. Il doit avoir en lui que les œuvres de la lumière. Parce que la lumière a ses œuvres. Et les ténèbres aussi a les siennes. Il ne faut pas nous dire je suis de la lumière sans que tu nous montres tes œuvres de la lumière. Non, ça n'existe pas. Soit tu es ténèbre, soit tu es la lumière. Si tu es la lumière, tu dois nous montrer les œuvres de la lumière. Si tu es ténèbre, c'est par les œuvres des ténèbres qu'on verra. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc il y a une nette séparation. Cela, depuis le début. Dieu a appelé cela séparation. Mais regardez maintenant. Donc que le Saint-Esprit touche l'apôtre Paul. Et que l'apôtre Paul a commencé à prêcher. Regardez maintenant comment Paul aborde la notion de la séparation. Dieu a appelé cela la séparation. De la lumière avec les ténèbres. Mais l'apôtre Paul, il dit ceci. Vous êtes du jour. Vous êtes les enfants de la lumière. Vous êtes les enfants du jour. Mais qu'est-ce que vous devez faire?
dit, vous devez vous dépouiller des œuvres mortes. La notion de la séparation égale la notion de dépouillement. Celui qui est de la lumière, il doit d'abord se dépouiller des œuvres mortes. Quand on est dans la lumière et que tu manifestes les œuvres mortes, c'est que tu n'es pas dans la lumière. Les œuvres mortes, c'est pour les ténèbres. Les œuvres mortes, c'est l'impudicité, c'est les mensonges, c'est l'impureté, l'homosexualité. Les œuvres mortes, c'est la cupidité, c'est l'envie, c'est la jalousie. Les œuvres mortes, c'est l'animosité. Les œuvres mortes, c'est les querelles. Les œuvres mortes, c'est la division. Les œuvres mortes, c'est la haine. Tout celui qui divise, il est dans les ténèbres. Parce que la division, c'est l'œuvre des ténèbres. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons marcher selon la parole. Si vous voulez que l'on soit des enfants de Dieu, si vous voulez être enfants de la lumière, manifeste les œuvres de la lumière. Nous sommes au début de l'année. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer avec tout ce qui est de ténèbres. Il faut qu'il y ait séparation. Cette année, tu dois te séparer de tout ce qui te suit, de tout ce qui t'identifie. Comme tu es de ténèbres, et pourtant, tu dois être enfant de la lumière. Or la lumière, c'est ça. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des chrétiens. Nous devons vivre à la manière des chrétiens. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le monde est rempli des injustices. Le monde est rempli des œuvres mortes. Mais nous les chrétiens, nous devons manifester le œuvre de la lumière. Regardez. On n'a jamais dit, ou ce n'est même pas dit dans la parole, qu'un chrétien ne peut pas avoir des différents des problèmes avec un autre chrétien ou avec un païen. Commençons d'abord. Dans la société comme nous vivons, comme nous sommes des hommes, comme nous vivons ensemble, il doit y avoir des problèmes. Que vous le voulez ou pas. Des problèmes peut-être créés consciemment. Que les chrétiens ou les païens peuvent créer consciemment. Soit mon fils, soit mon patron, soit ça peut venir inconsciemment sans le vouloir. Mais prenons maintenant les problèmes entre un chrétien et un païen. Vous habitez dans une même parcelle. Vous habitez un même appartement. Vous habitez dans des endroits différents. Dans le même quartier. Toi tu es chrétien. Tu pries. L'autre là tu sais que lui ne prie pas. Toi tu l'appelles païen. Mais il y a un problème.
problème qui se crée entre vous. C'est littéralement que ça nous manque de libérer. Ce problème-là a fait que entre toi et le païen là, vous vous êtes chamaillés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Entre toi et le païen, toi le chrétien, il y a eu des disputes, des querelles. Après vous vous êtes séparés. Mais la parole de Dieu te dit ceci. Cherche la paix avec tous. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. La seule, la seule chose que le chrétien doit donner à son environnement, c'est la paix. Et le comment ça. La seule chose que le chrétien doit donner à tout son environnement, c'est la paix. Quand quelqu'un ne donne pas la paix dans son environnement, il n'est pas fils de la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, quand le Seigneur était ressuscité, quand il est apparu à ses disciples, il leur a dit la première phrase, que la paix soit avec vous. Le chrétien doit donner la paix. Partout où il se retrouve, il doit chercher la paix. S'il arrivait qu'il n'y a pas paix entre les chrétiens et les païens, celui qui doit aller de l'avant pour chercher la paix, ce n'est pas le païen, c'est toi le chrétien. Quand il y a différence entre les chrétiens et les païens, après, celui qui doit aller vers l'autre, c'est le chrétien qui doit aller chez les païens lui demander pardon pour que les choses se deviennent dans l'ordre. Personne n'a dit amen. C'est parce que vous n'apportez pas la paix. Vous croyez qu'être chrétien c'est être un gang? Non, être chrétien c'est quelqu'un de humble. Si tu n'es pas humble, tu n'es pas chrétien. Pour apporter la paix, il faut être humble. Mais beaucoup de chrétiens, ils vont se disputer avec les gens. Non, il reste dans son coin. Il dit donc, d'abord, lui, c'est un païen. Moi je peux parler vers lui. Mais la parole de Dieu te dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande va demander. Combien viennent dans nos églises? Combien invoquent Jésus? Combien élèvent même leurs mains? Mais cependant qu'ils ont des problèmes dans des quartiers avec ces gens. Ils ont des problèmes dans l'église avec des gens. Il verra dans une église telle soeur avec telle soeur, il ne s'adresse pas à la parole. Tel frère avec telle soeur, il ne s'adresse pas à la parole. Regardez, il y a même un jour, il y a même un frère, il a dit ceci. Il dit, moi je pardonne difficilement un frère. Mon frère, est-ce que vous croyez que moi, pour une telle personne, vous croyez que moi je dois attendre qu'un prophète puisse me dire que telle personne, soit que j'attends que Dieu me dise dans les rêves que telle personne n'est pas enfant de Dieu? Mais ce qu'il a dit dans sa bouche démontre que c'est un fils de ténèbres. Un chrétien doit toujours pardonner. Même si ça te fait très mal, ça ne pas si bon les gars. Il le faut, même après un temps, il faut savoir pardonner. Amen. Il faut savoir pardonner. Amen.
un chrétien doit savoir pardonner. Un chrétien doit savoir pardonner. Amen. Un chrétien doit savoir pardonner. Amen. Il le dit. Alors, et ce frère-là, on était en groupe. Dans son église. Il est serviteur de Dieu. Serviteur. Il le mondait. Il le prêche. Dans son église. Et il le dit. Devant moi, j'étais avec des frères. Et dit, moi, je pardonne difficilement. Vraiment, c'est une faiblesse que j'ai. Prière de ténèbres. C'est vrai. Regardez. Voilà. Le bien-aimé qui m'avait fait du mal. Celui qui m'avait rejeté, qui m'a mis dehors quand on était ensemble dans l'église. Regardez un peu. 6 mois après le mariage. 6 mois après le mariage. Et ma femme était grosse. Je ne savais quoi faire. La vie devenait de plus en plus amère. J'avais même décidé de ne plus servir Dieu, d'aller chercher la vie au Gabon. Parce que j'ai un ami là-bas qui avait reçu sa vie. Pendant que je raisonnais ainsi, de tout abandonner dans les choses de Dieu, mais il y a quand même des frères qui m'ont encouragé. Non, tu dois faire les commencer une église. Mais je ne savais pas comment commencer une église. Je ne le savais pas. C'était des situations terribles. Vous savez, commencer une église à zéro. Oui, comme une église à zéro. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Je vous dis la vérité. Commencer une église à zéro. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des ceux-là qui ont eu la grâce. Ils ont trouvé l'église. Ils sont devenus pasteurs. Ils ont trouvé déjà l'église était là. Il y en a d'autres. Qui ont commencé l'église, ils sont sortis d'une autre église avec des gens. Ils sont partis, ils ont commencé l'église. Mais nous autres, on a commencé à zéro. Et tu viens dans le culte, zéro franc, zéro offrande, zéro, zéro, zéro. Zéro offrande. C'est écrit tout, c'est là-bas dans les dates. Les dates, les jours, les nombres, tout. Depuis que j'ai commencé l'église, tout est écrit. Mais regardez dans de telles conditions. Dans ma condition de mais l'autre frère, lui, il est parti avec toute l'église. Il a commencé une église. Regardez. Tu commences l'église, je commence l'église le premier jour. Je crois qu'on était 16 adultes. Et 16 et 5 enfants. 5 enfants. Le total, ça fait 21. Je salue 21%. L'offrande, on pouvait atteindre 2000 francs et le dimanche. L'offrande, on pouvait atteindre 2000 francs pour le dimanche. Là, c'est en 2004. Voilà, 2004. J'ai souffert au mois, donc ça a commencé au mois de juillet. Dans le mois de juillet. Regardez 2004. 2004. 2005. 2005. Pendant 2 ans. La carte de vous deux, donc, il va aller vite. Je ne me suis jamais rencontré avec le frère là. Chacun était dans son groupe. Il était à Lemba. Moi j'étais à Salon. Mais un
jour, après deux ans, sans le savoir, on se retrouve sur un plateau de télévision, on l'avait invité, on m'avait invité. On avait invité l'autre personne, c'était l'apôtre Donat. L'apôtre Donat se connaissait avec lui et se connaissait avec moi. Alors, quand on s'est vu sur le plateau, on s'est dit bonjour sur le plateau. On a commencé l'émission. Alors, dans mon cœur, je me disais, quand on s'est vu aujourd'hui, deux ans après, il faut qu'on arrange tout. Pendant l'émission, je me disais ça dans mon cœur. On a fini l'émission. C'est comme si Dieu avait vraiment tout planifié. Moi, j'étais venu seul. J'étais parti à l'émission seul. Par le taxi. Mais le frère, et pourtant, il était venu avec l'apôtre Donat dans une même voiture. Je ne le savais pas. Quand l'émission avait fini, on descendait les escaliers. Moi, je descendais pour aller prendre le taxi. Je croyais que c'était venu dans le taxi. Mais on allait devant la parcelle là où était la télévision. J'ai vu qu'ils sont entrés dans la voiture et l'apôtre Donat m'a dit, donc, deuxième chose, on se retrouve dans une même voiture tous les trois. Alors, c'est l'apôtre Donat qui conduisait. On a roulé quelques minutes. J'ai dit aujourd'hui, frère, il faut qu'on termine avec toutes ces différences. Alors l'apôtre Donat dira, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Il faut qu'on cherche un endroit. Il faut qu'on arrange tout aujourd'hui. J'ai commencé à le dire, moi. Et lui, il a appuyé. Regardez de l'hyper. On a cherché un endroit, c'est jusqu'à l'aimant. On est assis. Apôtre Donat a acheté le sucre. C'est le sucre. Et on s'est demandé pardon. Il a demandé pardon parce que c'est lui qui avait fait beaucoup du mal. Et j'ai lui aussi demandé pardon. Pardon. Et on a prié. Et la vie a continué. Dans notre vie, il y aura toujours des problèmes. Que personne ne te trompe. Et puis tu vivras comme ça sans problème avec les autres. Non. Ce que je vous prêche, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce que moi je pratique. Je ne vous prêcherai jamais des choses que moi je ne ferai pas. Je le répète. Moi, Emmanuel. Je ne vous prêcherai jamais des choses que moi-même je ne pratique pas. Tout ce que je vous prêcherai, c'est ce que moi-même je pratique. Je vous ai toujours dit, je dois toujours être un modèle pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si je dis ne bois pas, c'est que moi-même je ne bois pas. Si je dis ne fume pas, c'est que moi-même je ne fume pas. Si je dis ne tombe pas dans l'impudicité, c'est que moi-même je ne tombe pas dans l'impudicité. Si je te dis ne mens pas, c'est que moi-même je ne mens pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne peux pas faire du pharisien, non. En Jésus-Christ, notre vie doit changer. On doit manifester les œuvres de la lumière. Mes frères et sœurs, regardez. Celui qui m'avait fait du mal, c'était ce frère de bien-aimé. Mais comme enfant de Dieu, quand on s'est vu, je me suis dit c'est l'occasion que Dieu a donnée.
Je ne peux pas rater cette occasion. Parce que ce n'est pas aisé de rester dans son coin avec le problème dans le cœur contre quelqu'un. Non. Même si ce mal-là est comment, je ne sais pas quelle est la grandeur du mal qu'on t'a fait. Même si vous étiez marié, vous vous êtes séparé pour une cause qui est injuste pour toi. Et tu t'es dit, jamais je ne pardonnerai cette femme-là. Jamais je ne pardonnerai cet homme-là. Non. Quand tu écoutes cette parole, il faut savoir pardonner. Parce que savoir pardonner, ce sont les œuvres de la lumière. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Regardez, quelqu'un peut faire du tort. Je sais que cet homme, il est très rusé. Il est très méchant, il est très compliqué. Il a toujours de mauvais projets contre moi. Mais il y a une différence entre moi et lui. On va s'arranger. Parce que vous dites ça. Mais si on se voyait par exemple 5 fois, 10 fois par semaine, on peut se voir une fois ou on peut pas se voir, mais on est en bon terme. C'est-à-dire, là c'est la prudence maintenant. La prudence ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Non. On se parle, mais on n'est plus comme d'habitude. Parce que souvent quand on est avec toi, ça crée des problèmes. Maintenant, pour éviter, si on se voit, ah bonjour mon frère, comment ça va? Non, ça va bien. Comment la maison? Ça va bien. Ok, tu vas où? Non, j'arrive quelque part. Quand on se voit, tu passes. Oui, passe. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la prudence. La prudence ne veut pas dire que tu passes. Il te dit bonjour. Tu n'acceptes pas. D'abord, ça, c'est une mauvaise éducation. D'abord, selon la politesse. Même si vous ne vous parlez pas avec quelqu'un, dans la politesse, quand il te dit bonjour, il faut accepter. On ne refuse pas le bonjour. Non. Et vous devez changer beaucoup de choses dans vos vies. Vous savez, beaucoup de gens, le Seigneur ne les béniront pas. Le Seigneur ne bénira pas ces gens-là. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur voit déjà comme tu es là. Regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais. Et Dieu maintenant se dit, si je le bénirai, qu'est-ce qu'il fera? Il va écraser les gens. C'est pourquoi Dieu te regarde comme ça. Il ne te bénit pas. Il y a certaines bénédictions pour que ça vienne dans ta vie. Tu dois changer tes comportements. Si Dieu te voit que tu es compliqué, il ne te bénira pas. Je vous dis la vérité. Il va te donner seulement des choses limitées. Tu vas dépenser, c'est tout, Tu n'auras pas l'argent pour acheter une voiture, pour acheter une maison. Tu vas mener une vie normale. Manger, acheter les téléphones, acheter les habits, tu crois que c'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. Mes frères et sœurs, quel que soit le mal qu'on t'a fait, quel que soit le mal, il faut savoir pardonner. J'ai précisé, je te pardonne, mais si je trouve que tu es compliqué dans la vie, et qu'en étant avec toi, ça va encore me créer des problème. Là, on se limite seulement dans des bonjour, comment tu vas, comment ça va, c'est tout. Pour éviter maintenant des problèmes, là c'est la prudence. Mais il y a des gens, ils prient.
Depuis 2010, il ne s'adresse pas la parole, à quel? 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Maintenant en 2015, il est toujours là calme, il prie et il mange la conscience tranquille. Il y a même au-delà de cela, il y a même des paris. Il ne s'adresse même pas la parole. Je connais. Mes frères et sœurs. Je connais une famille. Que j'avais connue. L'homme et la femme ne se parlaient pas. L'homme et la femme ne se parlaient pas. Maintenant ils ont eu. Posez-moi la question, combien d'enfants? Posez-moi la question, ils ne se parlent pas, mais posez-moi la question, ils ont eu combien d'enfants? Plus de 10 enfants. Bon, mais maintenant, je ne sais pas, ça se passe comment. Ils ne se parlent pas. Même maison. Même chambre, mais ils ne se parlent pas pendant des années. Ils sont des enfants. Je ne sais pas, des enfants là sont venus comment. Comment les choses se passaient là-bas dans les chambres? Mais dès que tu viens les rendre visite, si tu n'es pas souple, tu ne comprendras rien. Là, maintenant, prenons que vous êtes à trois. Ouais, Dieu le visitait et le couple là. Ma couple, là. Tu vois ce jour-là. L'homme ajoute. La femme ajoute. Tu croiras que il se parle très bien. Non, ce n'est que par cette occasion que chacun est en train d'ajouter. Dès que tu pars, c'est fini. Allez, chacun dans son coin. Mes frères et sœurs, il y aura des choses dans nos vies. Mais étant des fils de la lumière, il faut savoir pratiquer les œuvres de la lumière. Regardez notre Seigneur Jésus. On l'a frappé. On l'a arrêté. On l'a humilié. On l'a déshabillé. On l'a laissé nu. Les gens se sont partagés simplement les soldats. Mais à la croix, il commence à dire, pardonne-le. C'est ce que nous devons faire. Amen. Amen, amen. Amen. Ne soyons pas des chrétiens fantaisistes, non. Écoutez, aujourd'hui il y a un problème entre toi et lui. Mais après il y aura encore un problème. Il y aura toujours des problèmes. On aura plus des problèmes. Le jour où on quittera ce corps pour aller à l'enlèvement, c'est tout. Le problème entre les païens et les chrétiens et les païens. Il faut que les chrétiens puissent aller vers les païens pour demander pardon. Même si les chrétiens ont raison, va chez les païens, demande pardon. Arrange les choses pour que tu sois en paix. Les païens, lui, ne prient pas. Mais celui dont la prière aura des obstacles, c'est toi, les chrétiens. Ce sont les chrétiens, ce n'est pas les païens. Les païens, lui, n'ont pas de problème. Mais celui qui aura des problèmes, c'est toi. Et c'est vous qui me comprenez. Maintenant, le problème entre un chrétien et un chrétien. Le problème entre mon fils et mon fils. Ça peut arriver. Le problème entre des chrétiens. Le problème entre des pasteurs. Mes frères et sœurs. Ici, partent devant la justice. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, quel exemple pouvons-nous donner? Exemple de
Et ce qui est encore aberrant, c'est comme si le ridicule ne tuait pas au Congo. Moi, pasteur, lui aussi pasteur, il est pasteur. On a des problèmes avec lui. Je vais l'acquiger, c'est l'État. À la justice congolaise. La justice congolaise. On se met avec lui devant là-bas. Nous, le pasteur. Nous sommes pasteurs. Et après, je viens avec tout le courage, dans mon église. Pendant que lui, devant là-bas, la justice l'a condamné. Jésus est condamné. Il est en prison. Je viens dans mon église. Je prêche le pardon. Vous blaguez avec les choses de Dieu ou quoi? Est-ce que Dieu lui est votre quoi? Votre grand-père? Est-ce que nous avons dit pour la vie? Mais comment on peut se jouer avec les choses de Dieu? Pendant que l'autre souffre, tu l'as accusé. Et tu viens, tu prêches sur le pardon. Mais le pardon que toi tu prêches là, c'était où quand ce frère là t'avait fait du mal, tu ne pouvais pas le pardonner. Non, mes frères et sœurs, soyons des enfants de la lumière. La lumière est séparée avec les ténèbres. À la création, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. L'apôtre Paul, il appelle la séparation là, le dépouillement. C'est lui qui est dans la lumière. Celui qui est en Christ, il doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. Il doit les abandonner. De la même manière, quand Dieu parle, quand le Seigneur Jésus, il s'adresse aux églises, aux sept églises qui sont dans l'Apocalypse. Écoutez ce que le Seigneur dit à la dernière église qui est l'église de Laodicée. Écoute ce que le Seigneur dit. Parce que tu n'es ni froid, ni chaud, ni moto. Et que tu es tiède. Et que vous allez tiède. Il fallait que tu sois chaud. Et c'est vrai que vous allez soit moto. Soit froid. Soit maligne. Mais comme tu es tiède. Le coup d'aller tiède. Je vais formuler. Pourquoi tiède? C'est le mélange du chaud et du froid. Oh, le mélange, c'est ce que Dieu a refusé depuis la création. Dieu n'a jamais mélangé la lumière avec les ténèbres. Le mélange, c'est ce que l'apôtre Paul refuse. Entre le vieil homme et le nouveau homme, il dit, vous devez d'abord vous dépouiller du vieil homme pour enfin vous revêtir du nouveau homme qui est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est rempli de chrétiens tièdes. Il est à l'église. À l'église, surtout s'il est à l'église. À l'église, il est comme ça. Quand il est à l'église, à l'église. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, surtout dans nos églises. Mais dans la cité impire païen, impire. La cité mon. Il fait tout ce que les païens font. Un chrétien ne fait pas tout ce que font les païens. Jamais. Un chrétien fait tout ce qui édifie sa vie. Si ça n'édifie pas, ne le fait pas. D'ailleurs, il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si quelque chose n'est pas utile, ne le fait pas. Combien de chrétiens ont péché le 31 et le 1er? Combien ont quitté la maison? Ils ont dit, quand je pars à la veillée, mais il est arrivé, il se retrouve entre la maison et l'église.
destinée là au milieu. C'est là où il a passé la nuit quelque part. Quand il rentre à la maison, il dit que j'étais à l'église. Et on va le croire. Et nous à l'église, on va lui poser la question. Les jours où il viendra. Mais on n'a pas vu à la veille. Tu étais où? Et il va vous donner, calmement comme ça, calmement. Il va vous donner de l'explication sans foi aussi. Pendant qu'il est en train de mentir. Non. 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 Mes frères et sœurs, mentir, ce sont les œuvres mortes. Les enfants des lumières marchent dans la vérité. Mais aujourd'hui dans nos églises, il y a des chrétiens froids. Il y a des chrétiens tièdes. Des chrétiens de mélange. Dans leur mélange, ils sont chrétiens païens. Leur mélange, ils sont chrétiens païens. Un jour, je me vois avec un frère. Il ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait se croiser comme ça avec lui. Il ne pouvait même pas venir dans sa tête. Alors on se croise. Je sortais de quoi? Et lui venait. Il avait la cigarette. La cigarette. Bah, il a enlevé. Il a mis ça comme ça. J'ai d'abord continué à causer avec lui. Après, je lui ai dit, mais tu as une cigarette. Moi, je suis droit. Je ne parle pas par gauche, droite. Non, gauche, droite. Non, tu filmes. Sois à l'aise. À l'aise. Je te filme. Je vais éclairer les cailloux. Mais filme. Pourquoi tu veux cacher? Nous avons des chrétiens qui cachent des histoires. Mais tu les caches devant moi. Moi je ne suis qu'un simple serviteur. Celui qui t'a appelé. Celui qui est mort pour toi. Celui qui a souffert avant de mourir. C'est pas moi. C'est Jésus-Christ. En fumant, en faisant des bêtises, en n'adressant pas la parole au voisin. Tu es en train de crucifier pour la deuxième fois Jésus à la croix. Tu marches en ennemi de la croix. Frères et sœurs dans les saints, soyons des enfants de la lumière. Amen. Soyons des enfants de la lumière. Ne sois pas tiède. Vous êtes tiède. Sois un chrétien réel. Zala Christ, un vrai chrétien. Mon Christ a solo. Il y aura des problèmes que personne ne te trompe. Les problèmes, ça viendra aujourd'hui. Ça viendra demain. Mais il faut avoir le cœur de la lumière pour savoir arranger les histoires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Commence, fais-le dès maintenant. Applique la notion de la séparation dès maintenant. Sépare dans ta vie ce qui est ténèbre, fais-le sortir. Fais entrer en toi ce qui est lumière. Enlève en toi tout ce qui est œuvre morte. Revêtis-toi de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, dans cette église, qui a des problèmes contre l'autre, qui se lève des problèmes contre l'autre. Ça va se passer maintenant devant l'église. Qui dans cette église n'adresse pas la parole à l'autre. Sois sincère toi-même. Qui dans cette église n'adresse pas la parole à l'autre. Ça doit commencer ici à l'église. Qui ne se parle pas dans l'église. C'est-à-dire vous tous, vous vous entendez? Je pose la question, c'est que vous tous, vous vous entendez? Hein? Hein? Pardon.